Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur le JT de 13h. Tout de suite, les titres de l'actualité. Coronavirus, la pandémie ne cesse de progresser. Focus sensationnel sur l'évolution de ce mardi 21 avril. Coronavirus, les transports en commun sont vides. Focus exceptionnel sur la baisse drastique de fréquentation de ceux-ci depuis le début de ce confinement. Coronavirus, le milieu de la drogue durement touché par cette crise. Focus inhabituel sur ce monde aussi risqué que passionnant. Mais d'abord, coronavirus. Les jeunes craquent et ils n'en peuvent plus. Tout de suite, un reportage sur leur situation. Stéphanie a 21 ans. Elle est étudiante à l'Université catholique de Louvain. Sa passion, c'est la nature qui l'entoure. Donc je suis en bac 3 en bio-ingénieur et je profite du confinement, car il n'y a personne dans les bois, pour être juste moi avec la nature à deux. Et pourquoi vous sortez de chez vous? Parce qu'en fait, mon TFE est un herbier et je veux que mon herbier soit parfait. Vraiment incroyable, génial, vous comprenez, je veux dire. Et donc, je veux que la plante me choisisse, que je la choisisse en retour pour mon herbier. Voilà, la nature m'apaise énormément. Par contre, beaucoup d'émotions. Hein. J'ose crier enfin au scandale, je le fais pas souvent. Mais les profs, niveau du travail, c'est vraiment scandaleux. Ils se rendent pas compte du temps que ça met pour faire un herbier. Enfin, heureusement que la nature est là pour m'apaiser. Je passe beaucoup de temps donc dans la forêt, les champs, enfin tout ce qui correspond à la nature, quoi. Même mon jardin, bon, un peu trop pollué parfois. Et donc voilà, je profite de tout ça et c'est vraiment important pour moi, la nature. Stéphanie a finalement décidé d'introduire une plainte. Elle ne supporte plus la pression et craque complètement. J'en ai marre. Cependant, Stéphanie ne cesse d'aimer la nature et continue à découvrir de nouvelles plantes. Regardez, ceci c'est une feuille d'arbre et ça, on appelle ça un brin d'herbe. Oh, ils iront parfaitement dans mon herbier. Nous nous tournons maintenant vers Jérémy. Lunettes, casquette, nom d'emprunt. Ce jeune souhaite effectivement garder l'anonymat. Je suis bien anonyme là? Ouais, vous en faites pas. Ok, ça va. Du coup, moi, depuis le confinement, là, avant je travaillais bien, vous voyez. Et puis mes potes ont commencé à me manquer beaucoup trop. Et du coup, bah, j'ai commencé à faire des soirées avec eux de plus en plus. Vraiment, à un moment, c'est tous les soirs. Enfin, vous connaissez, on teuf, on s'amuse, on fait la fête, vraiment. Vous avez été jeunes, vous aussi, vous comprendrez sûrement. Mais du coup, depuis, j'arrive plus vraiment à travailler, vous voyez, j'ai plus du tout le rythme. Et du coup, je suis complètement en décrochage, en fait. Je pense que je vais rater, mais c'est pas grave. Moi, du moment que je m'amuse avec mes potes, pour moi, c'est une vie réussie. Après, je sais que ça peut en déranger certains que je vois mes potes et tout, parce que eux peuvent pas. Et je m'en fous complètement. Mais après, bon, je vous rassure, je respecte les mesures, du coup, voilà quoi, ragez pas. Quelle bande de sales gamins! Tu vas regretter de ne pas avoir respecté le confinement. Maintenant, je te lâche plus. T'es mort.
Excusez-moi, monsieur, ça va? Dites, vous seriez pas le jeune homme de la télévision d'hier? Ah si, si, oui, c'est moi, oui. Pourquoi? Vraiment? Oui. Mais d'abord, un nouvel avis de disparition a été déclaré. C'est le 5e ce mois-ci. Tous étaient originaires du Brabant wallon. Le jeune portier disparu était passé récemment sur notre antenne sous le nom de Jérémy. Coïncidence? Je ne crois pas. Si vous avez vu... We'll be right back.